Jesus Christ, man! Give me headshot, give me headshot. I give you headshot. Give me, give me. Bienvenue, encore un tuto qui va vous faire plaisir. Comment devenir intelligent, comment identifier les faiblesses, les forces, comment adapter ses choix, comment avoir un bon brain et faire le moins d'erreurs possible. Enfin, ça va être généraliste de fou. Si vous avez directement, je vous le dis, des suggestions similaire à ce tuto que vous voulez que j'applique sur d'autres maps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va être sur DDS2, qui est une map extrêmement basique, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi. N'hésitez surtout pas à me soumettre vos idées dans les commentaires. N'hésitez surtout pas également à vous abonner, ceux qui aiment le contenu CSGO, mais également Valorant, si vous voulez que je traite des sujets sur Valorant similaires à celui qu'on va faire aujourd'hui, je peux également vous montrer les mécaniques de map, etc. sur Valorant. Abonnez-vous, on approche des 100 000 abonnés et rejoignez le Discord que vous avez en description. Je sélectionne des participants pour faire mes tutos. Tous les jeudis 19h sur ma chaîne Twitch, on enregistre ces tutos. C'est d'ailleurs un abonné, Nolzy, dédicace à toi, qui a choisi ce tuto, qui m'a touché parce que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je traite le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on est sur D2 parce que c'est une map, c'est une des maps les plus basiques, si ce n'est la map la plus basique. C'est la map où il y a beaucoup moins... Il y a beaucoup d'espace, ça veut dire que le skill est très important, mais surtout la gestion du stuff est la moins complexe. Vous pouvez flasher un petit peu à la zub, vous pouvez mettre des molos un petit peu à la zub, vous pouvez mettre des smokes un petit peu à la zub, et vous allez vous en sortir. C'est la map où, entre guillemets, les erreurs par contre vont être vraiment punitives, mais, parce que la map est très grande et que les rotations sont très longues, mais c'est la map où justement vous pouvez vous permettre des erreurs parce que vous avez raté une smoke, ça va pas être trop grave si vous pouvez, on va dire, compenser ça avec votre skill ou votre intelligence de rotation et de réaction. Alors, D2, il faut comprendre que c'est une map qui se joue sur la verticale. Donc D2, si on la voit comme ça, on la coupe en deux. Ici, en réalité, il y a le côté droit, le côté gauche. Il faut systématiquement identifier où va la défense. Donc si on a un sniper au niveau ici, on sait combien de personnes sont parties à gauche. Donc ça veut dire que déjà numériquement, on sait si les joueurs sont 2, 1, 2, ou s'ils sont que 2 à être passés. Donc on va dire 1, 1, 3, ou alors 2, 3. Potentiellement, parce que bien évidemment, le 2... Et s'il y en a un qui reste caché à gauche, ce sera en 2-1-2. Mais au moins, vous avez compris qu'on peut identifier directement des forces et des faiblesses. Avec cette information, on peut identifier, encore une fois, une autre faiblesse en allant sur la GA. Voilà, on se fait HE, on sait qu'il y a des gens qui jouent la GA. Ça veut dire que potentiellement, la GA, la longue, ça veut dire que potentiellement, la corne est faible. Encore une fois, on coupe la map en deux. S'il y a des gens là-bas à droite, ça veut dire que potentiellement à gauche, ils n'y sont pas. Et il suffit de systématiquement coupler les informations. S'il y en a deux qui sont pas CB, 2-1-2, on va dire 2-1-2. 2, 1 et 2. Vous savez maintenant qu'il y en a un GA, vous savez que le mec est solo corps. Vous ne le savez pas s'ils sont deux GA. Vous savez qu'il y en a au moins un. Mais vous savez potentiellement que le mec corniche est tout seul. Donc vous pouvez y aller à 5 et lui défoncer sa race. Ou à 3, ou à 4, ou en 1v1 si vous voulez le jouer en 1v1. Mais bon, vaut mieux jouer la supériorité numérique, ça veut dire identifier les faiblesses, jouer là-dessus. Identifier les forces, aller sur la faiblesse. D'accord ? Et on peut appliquer ça de plein de manières différentes. Imaginez que vous ayez la corne, d'accord ? C'est un tout autre match, c'est 5v5, on n'a pas d'autres informations. 5 contre 5, on ne sait pas qui est où. Vous venez ici, vous mettez votre molo. Vous savez que sur le VP, il n'y a personne. Vous mettez votre flash ici en haut. C'est très standard ce que je suis en train de faire. Vous le savez déjà le faire. Mais essayez de capitaliser sur les informations, essayez de devenir intelligent, identifier les faiblesses pour jouer là-dessus. Donc vous mettez une molo, vous mettez une flash, vous piquez, vous attendez la salade là-bas, là derrière la rampe. Il n'y a rien, c'est chelou. On coupe la map en deux, on sait que potentiellement il n'y a rien à gauche, à part la gouze et qu'ils vont être à droite. Ça veut dire que la faiblesse désormais elle est ici et leur force elle est là-bas. Vous allez flasher la longue et vous allez débouler au niveau du BPA. Vous checkez votre goose, vous plantez pour la corne, vous repartez corniche. Si vous avez la GA, c'est la même chose. Vous êtes ici, vous dézonez la voiture, blablabli, blablabla.
On a coupé la map en deux désormais. On sait qu'à droite, c'est faible. On sait qu'à gauche, c'est fort. Maintenant, il faut savoir si les mecs sont beaucoup spawn ou si les mecs sont beaucoup corn pour voir si on fait une split corniche ou alors si on peut débouler tous ici. D'accord ? Grosso modo, c'est pour ça qu'on fait des attaques systématiquement en split sur cette carte. Des corn plus GA, des GA plus corn ou des 3-2-B. Parce qu'elle est extrêmement longiligne et on peut systématiquement identifier ces choses-là de manière naturelle. De manière naturelle. C'est-à-dire que vous êtes là, vous allez entendre du bruit, le mec du mid va venir au spawn ZT, vous allez tout de suite comprendre que 2-1-2, d'accord, 2-1-2, si on coupe la map en deux ici, ils sont 3 à gauche, ils sont 2 à droite, vous savez que là, la force elle est ici, donc on va aller vers la corne. Vous allez aller corniche, vous allez vous taper en A comme je viens de vous montrer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le mec spawn CT, il va tourner ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? On recoupe la map en deux. Ils sont plus que deux à gauche et ils sont trois à droite. Donc, on accélère 3-2-B. Le but, c'est de faire un système de balancier, de les faire bouger, de vider les zones, d'identifier la force, d'identifier la faiblesse et de jouer sur la faiblesse numérique. Là, on n'est que sur une partie très basique de la tactique. On identifie les forces et les faiblesses numériques. On essaye juste de comprendre où est-ce qu'il y en a un, où est-ce qu'il y en a deux, où est-ce qu'il y en a trois. C'est la base. Je vous donne un autre exemple sur le B. On est ici au niveau du B, les gars. On arrive, premier spawn, il vient, il saute, il garde la ligne, il le voit Marek, il lui tire dessus, il le rate. D'accord, il le rate, mais ça lui fait peur. Le mec lâche la zone. On coupe la map en deux. On sait qu'à gauche, il n'y a rien. C'est la faiblesse. On sait que maintenant, le B, on peut leur débouler dessus. Le but, c'est de garder un point d'appui. Un point d'appui qui veut dire on garde la ligne. Normalement, vous allez vous faire smoke. Et donc là, vous allez perdre l'information. Et maintenant, vous avez peur que potentiellement, il y ait des mecs à gauche. Mais grosso modo, ça va au moins leur faire tomber leur stuff et ce genre de choses. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Un B à la WAP, un B à la WAP. Le mec, il va dire ça. Son pivot va venir. Et s'il y en a un mec voiture ici, plus lui ici, dans tous les cas, le 2-1-2... Un B à la WAP, le mec va lâcher. Qu'est-ce qui va se passer? On repart sur le... On coupe la map en deux. Ils font 3, ils sont 3 à gauche désormais. Ils sont 2 à droite maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Repartez les amis. GA par exemple, ou corniche. C'est pour ça que sur D2, quand vous regardez des matchs professionnels, etc., je déteste, entre guillemets, je déteste pas. Mais je n'aime pas faire des analyses sur D2 parce que c'est une map qui est extrêmement basique, qui se joue vraiment sur ces bases-là. À 99,9%. Ça se joue systématiquement sur contrôle corn, retour B. Fake B, retour corn. Explosion B pour changer de rythme de temps en temps. Explosion GA pour changer de rythme de temps en temps. Mais grosso modo, c'est j'y vais. Et c'est comme ça qu'on fait un balancier. Je vous explique ce principe-là sur D2 parce que c'est la map typiquement la plus basique, la plus épurée, avec les plus grandes lignes, où vous pouvez appliquer ne serait-ce que les mathématiques basiques de CS. C'est identifier numériquement les forces, les faiblesses, et savoir donc justement où sont les ennemis, où ils ne sont pas surtout. En fait, vous allez en déduire des choses. Normalement, quand vous jouez à un bon niveau à partir d'un certain nombre d'heures de jeu, vous le savez. Vous allez venir là, vous mettez votre mollo, vous mettez votre flash, vous mettez pression ici, vous savez que le mec est voiture. Vous le savez que le mec est voiture au niveau GA. Donc vous faites quoi? Vous mettez une petite flash comme ça et tu mets pression. Le mec il va dire je suis blanc. Le mec spawn va rota. Donc c'est pour ça que je fake. Et là les mecs peuvent aller en split B désormais ou essayer de causer ou essayer de le couper dans sa rota. Genre en mode fais ton fake corniche. Ok vas-y c'est bon. Allez maintenant je l'attends. Le mec il va redécaler ici. Tu l'attends, tu lui défonces sa mère. On crée du plan de jeu. Ça s'appelle créer du plan de jeu. Si vous êtes 3 par exemple en équipe, à 3 déjà vous pouvez faire pression corniche, pression B et le mec mid profiter entre guillemets de ses appels. On appelle ça des appels de jeu. On appelle ça des appels parce que c'est des fakes mais c'est pas des vrais fakes. C'est pas en mode allez-y, je fake, déboulez en B. Non, le but c'est jamais de se précipiter. Le but c'est de faire des appels pour forcer les rotations, forcer les mouvements, créer des faiblesses. Un mec qui bouge de sa zone, c'est un mec qui devient faible. Si vous forcez les rotations, que vous avez bougé, vous êtes dans la merde. Combien de fois ça vous est arrivé de « corniche les mecs, corniche !» Tu tournes, il n'y a rien, tu reviens. « Mais ça passe mid, la putain de ta mère, pourquoi tu cries, je suis mort à cause de toi !» Ben c'est juste que les mecs ont été intelligents et toi un peu moins. C'est ça en fait. Tu lâches la zone, tu l'as perdu la zone, c'est compliqué. Est-ce que vous voulez que je fasse
ce tuto-là côté CT. Ça pourrait être intéressant. On va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de vous balancer des informations à fond. On va rester sur des trucs très basiques, mais sachez que les plus gros joueurs de CS, le plus haut niveau de CS sur D2 se joue comme ça. J'ai déjà fait des analyses des plus grosses équipes sur ces cartes. Ça se joue comme ça. Sur D2, c'est extrêmement basique. C'est corniche, appel de la corne, 3-2-B. De temps en temps, comme j'ai dit, on change de rythme, on fait des rush B, on fait des rush GA. Mais sinon, c'est que des appels d'informations, des petits pics, machin. On crée des rotations et on s'infiltre dans les faiblesses. C'est le plus important. Et on identifie systématiquement la faiblesse. S'il n'y a rien à gauche, on déboule à droite. S'il n'y a rien à droite, on déboule à gauche. C'est vraiment la map la plus simple, la plus skilled, entre guillemets. C'est pour ça que ce jeu est extrêmement basique dessus. C'est une des maps les plus appréciées, les plus jouées, parce qu'elle est extrêmement basique. Et en général, quand tu montes de niveau, tu la détestes, parce que tu te fais péter le cul par les noobs. Parce que les noobs, ils s'en battent les couilles. Ils te courent dessus, ils te mettent des headshots, alors que normalement, ils n'auraient pas dû courir. Mais c'est comme ça. Sur Overpass, sur Train, sur Nuke, ça ne se passe pas comme ça, parce que ce sont des maps beaucoup plus techniques. Ce sont des maps qui demandent beaucoup plus de gestion de stuff, gestion du temps, gestion des coéquipiers, gestion de la com, des crossfire, et forcément, ça marche pas. Donc à haut niveau, vous allez leur péter le cul sur ces cartes-là. Ça, c'est les maps de noob, entre guillemets. Bien évidemment, j'exagère, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu ces choses-là. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi le tuto. Abonnez-vous ceux qui ont apprécié. Des suggestions, plein les commentaires. Si vous voulez que je gère d'autres sides, pareil, des phases 2, des phases 3, entre guillemets, de ce que je viens de faire maintenant, très basique. D'autres cartes, peut-être, sur des trucs un peu plus sophistiqués. Ça peut être intéressant. Je vous aime, merci, abonnez-vous. Les 100K, on est là. Et Discord, on arrive.